Le soir d'Argent. Le soir d'Argent. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 19h à 21h, sur TSO Radio. Cette équipe de bras cassés au grand complet. Axel, Seb se surpasse. Enfin, ils essaient. Un show quotidien, divertissant, amusant, mais aussi sérieux, avec des interviews, de l'actu, et bien sûr, une pluie de conneries. Et en direct. Le soir d'Argent. Tous les soirs, de 7h à 9h, à l'heure de l'apéro, sur TSO Radio. Mais pourquoi de 7h à 9h ? Bah, c'est pareil. Bah oui, 7h à 19h, c'est exactement pareil. Bah oui, pareil. C'est 19h, merde. Les aventures d'Axel et Seb sur TSO Radio dans le soir d'Argent. 3, 2, 1. Le soir d'Argent sur TSO Radio. Radio. Ça va tout le monde ? Ça va ! Ouais, putain, il y a de l'ambiance. L'ambiance. C'est jeudi, c'est bientôt week-end. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est vrai, c'est jeudi, t'as bien fait de le rappeler, j'avais l'impression d'être pas jeudi. Donc nous sommes jeudi, il est 19h, bienvenue, vous êtes sur TSO Radio. On est toujours les mêmes vêtements. On a toujours habillé pareil. Il a claqué la chemise pour 15 jours, Vincent. Comment s'est passé ton rendez-vous, Axel ? Ah, ton rendez-vous médical, on l'a pas oublié. J'arrive. Le médical d'Axel. J'arrive tout droit de l'an, là. Je me suis dépêché dans ma voiture et j'ai vécu aujourd'hui une échographie, ma première échographie, mais pour et moi. Alors ça pousse bien. Alors ah bah j'ai, ouais. J'ai vu mes voies urinaires. Ah ouais. C'est bien c'est, c'était comment? tu vends du rêve quoi. Ah bah j'ai vu mes voies urinaires et mes reins, j'attends réponse parce que du coup je n'ai pas eu les résultats. Plus la caméra avançait sur mes parties, plus le docteur faisait des yeux bizarres. Bon, la suite au prochain épisode. Ouais, vous direz ça, tout on ça. Attend ça avec bon, en tout cas, je suis toujours vivant. La banane, enfin la banane un peu moins en ce moment, c'est vrai que la banane elle est moins présente, mais bon, on va essayer de soigner ça. Sinon, qu'est-ce que vous avez fait de beau de votre mercredi, la journée des enfants? Donc c'était hier du coup. Bah écoute, de 19h à 21h hier, j'étais ici. Bah ouais, pareil. On fait quelques courses après un peu de sport. Oh le mec de la vie parfaite, tu sais, un peu de sport. Ensuite, j'ai été voir madame, on a dîné au restaurant. Le mec, non, il a la vie sur les réseaux, on voit souvent reprise du sport. Reprise, à chaque fois, c'est reprise. Il reprend souvent ce garçon. Et ça te dérange? Non, mais je constate. C'est vrai qu'il reprend, je mais. Je ne suis pas nuit ici pour souffrir. Bon, allez, casse-toi. Est-ce alors. Que c'est clair? Il manque un mot. Ok. Alors aujourd'hui, allez. On va parler de l'association L'Asso Guéguette. On en parle dans quelques instants hein, sur TSO. Et là, on va. C'est l'heure de l'horoscule, le dossier du jour. On commence par quoi? Dites-moi, les filles. Ben c'est Laura avec l'horoscule. Allo, bienvenue sur ce live. Regardez qui est cute. J'avais envie, c'était pour les filles, parce qu'elle finit toujours par les filles. Donc c'est Lolo. C'est moi, oui. Lolo et c'est Lolo pour le. L'horoscule. Enfin, t'as chaud. Mais pour l'horoscule, c'est ça? C'est ça. Eh ben allez, c'est parti. Quand tu veux. Alors, aujourd'hui, on va parler des zones érogènes selon votre signe astrologique. Alors, le bélier. Les zones érogènes, ce sont les zones qui nous font kiffer, c'est ça? C'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Ok. Oh, bah, c'est pas terrible. Bélier, c'est qui? C'est qui, bélier? Bélier, moi. C'est ah, moi, c'est moi. Alors, Vince. C'est... Les oreilles. Ah, bah, les ouais. Cheveux. Ah, bah, moi, c'est mort. La nuque et la langue. Ah. Ah. La nuque à la limite, tu vois. Bah, il était en route. Si tu veux. Si tu veux. Je pense à rien. Il n'y aurait pas eu le Covid. Je t'aurais touché chaque partie. Il n'y aurait pas le Covid. Je te nuquais. Je te nuquais. Oh, direct live là. Alors, les taureaux, le cou, les papilles gustatives et les sens. Les sens sans plomb 95. C'est quoi les sens? Non, dire les odeurs. On partit sur du gazole. Les odeurs. T'es sûr que t'as pas oublié un X? C'était pas les seins du tout. Là, j'ai pas oublié. Pétage de masque en live. C'est les sens, ça les excite. Les odeurs, ah ouais, les odeurs, ça m'excite. Ah. Moi, j'étais partie sur les seins, parce qu'en plus, c'est taureau, donc. Gémeaux. Ah. Oh. Entre les oreilles, les doigts et les orteils. C'est fun. Oh merde. Il vend du rêve, ce garçon. Oh putain, juste quoi? Les orteils, c'est ça? Ouais. Putain, pourtant, c'est quelque chose que j'aime pas en plus, ça vas-y, vas-y caresse-moi les orteils, vas-y. Allez, caresse-moi les orteils. Le gros doigt de pied. Tu veux que je suce le pied? Alors, pour les cancers, les tétons, les seins et le ventre. Ah bah oui, le cancer du sein, oui. Les lions, le bas du dos. Ouais. Les vierges, le menton. Ah non. La peau et les extrémités. Des extrémités, je sais pas lesquelles. Je peux ici. Des extrémités. Le bout du gland, est-ce que c'est une extrémité? Bah, pointe. Balance.
les fesses, les yeux, les oreilles et la bouche. Les yeux. Bah les yeux, c'est compliqué à toucher quand même. Ça fait mal, surtout. Grande chance que tu fermes les yeux, quoi. Quand tu mets tes lentilles, tu sais. Oh, oh. Oh, c'est mon jour, là, j'ai entendu la TSO, là, c'est mon jour. C'est le grand jour. Ah, il y a une suite. C'est Scorpion. Ah bah vas-y. Allez, bah, balance, vas-y. Allez, Scorpion, c'est Sébastien. Hein. Les organes génitaux. Oui, bon, ça, c'est les zones érogènes de tout le monde. L'aine. Ouais. L'aine. Toujours au même endroit. Ah, l'entrejambe, là, le truc qui pue, là. Et. Et l'anus. Ah, le deuxième truc qui pue. Et le vas-y, si, moi l'anus, vas-y. C'est que dans tout le truc, c'est le seul truc qui est pompé, mais direct, en fait, y'a pas de. Ah, bah ça, ouais. T'as réussi à trouver un truc. Un truc qui est pompé direct. Qui est pompé direct. Tu parles de qui, là? Et rédigé par qui? J'ai pompé. Ah, pompé, d'accord. Nickel. Merci beaucoup, Hélène. Tu as pompé direct le Scorpion. C'est ça. La queue du Scorpion. Sagittaire, les hanches et l'intérieur des cuisses. Ouais. Capricorne. C'est tout pourri. La pliure du genou. Oh là. T'as les filles, vont chercher. Moi, je serais toi, je resterais vierge plutôt. Parce que là, ton signe, il est pourri. Verseau, les mollets et les chevilles. Et poisson, les pieds. Ah, ah. Bon, les pieds. Brian aime les yep. Un petit fils des pieds. Après les orteils, le pied. Un petit pied. On est quand même vachement penché. Il prend son pied, moi, c'est bien. Ah, oh. Oh. Oh, bah écoutez, ouais. C'est bien. Ça me laisse tout à fait le temps de chercher la transition pour passer au dossier du jour avec Hélène. J'aime bien parler à chaque fois pour cloquer. Ah bah y'a pas de problème. Bonsoir. 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 Enfin le retour de la voix sensuelle, c'est bon ça. Va bander. Alors aujourd'hui ce sera un record. Ah. Ouais. Ah. Record 2, comme dirait Denis Brunner. Record 2. Alors savez-vous combien de femmes et d'enfants a eu le plus grand polygame du monde? 82. Quel chanceux déjà. 82 quoi? Femmes. Non, femmes et enfants, c'est ça? Combien de les femmes, femmes et d'enfants, et les enfants d'abord? Ah, pas 82 enfants et puis 15 femmes, non? Non. 82 femmes. Plus. 100 et femmes. Chaud lapin, hein? Plus. 200 femmes. Moins. Moins 150. 150. Je viens du sud, moins. Ouais, c'est pas très loin, c'est 130 femmes. Ah ouais. Donc c'est un Kenyan. Il est mort à 91 ans, il a eu 130 femmes. C'est il a eu près de 300 enfants. Un Kenyan. Un Kenyan du Kenya. Du Kenya. Ouais. Donc il a une grosse capacité d'adaptation entre. Une grosse latte, si tu veux dire. Voilà, on va bien. Mais une bonne barre de fer. La poutre de Bamako. T'es albinos toi? Ah Seb, tu dois être albinos, tu dois être un black en fait en vrai. Pourquoi? Parce que t'es monté comme un scorpion. Écoute, je sais pas, pour l'instant, ça n'a pas été diagnostiqué. Donc, je peux finir s'il te plaît? Merci. Finis ton. Donc, le nonagénaire, parce qu'il avait 80 ans quand il est mort. Ah, ouais, non. Il s'était lui-même surnommé Danger. Oh le mec! Dangerous! Mais un panneau ici! Selon la légende, aucune femme ne réussissait à lui résister. Et il dit de lui-même: je suis comme un aimant magnétique. Oh, c'est beau! Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais être l'aimant qu'il y a sur le frigo? Il est quand même passé par 85 divorces. Il a dit comme ça: deux femmes qui m'avaient trompé. C'est inacceptable! Ah ouais? Bah oui! Alors qu'il est beau quoi! Donc il est quand même, il affirmait placer la moralité de ses épouses au-dessus de tout. Donc il était très attaché à ses enfants et à ses épouses. Il avait bâti autour de sa famille un véritable empire. Bon après le gars il avait de la thune, hein. Il commerce du détail, agriculture, transport. Tu m'étonnes pour la pension alimentaire à 300 gosses. Oh bah tiens, au Kenya je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Alors, son premier fils qui était médecin il avait 70 ans et sa petite dernière elle en avait 10 ans. 10 ans quand il est décédé. Mais oui. Il aime bien dire qu'il a choisi le nom de chacun de ses enfants personnellement. 300 enfants, je pense qu'il y avait au moins 15 Kevin, 10 Brian. Oh, pardon. T'as pas fait exprès? Non, le gars, juste c'est pris le calendrier en fait. Hein. Par juste par le contre, calendrier. T'as dit, il est mort à quel âge? 91 ans. 91, ah oui, parce que au départ j'ai cru que c'était 80, j'allais dire 10 ans pour son premier. Non, 91, 21. Ça dépend de quel âge je suis, mais. Après, son pignon, tu sais. Si tu craches pas de lait, tout va bien. Donc, il a quand même enterré 55 de ses enfants et 30 de ses épouses. Bon, faut savoir que. Au Kenya, la polygamie, elle n'est pas acceptée, hein, mais on tolère la pratique quand même. Ah, c'est pas accepté, mais c'est toléré.
Mais c'est pas interdit en France. Je crois, mais en France. En France, oui. Alors attends. Ah. Ah oui. L'adultère est possible, mais la polygamie, non. Ah ouais, mais du coup, on le tolère. Si l'adultère était un crime en France. On tolère la pluralité féminine. C'est sous-entendu. Ou masculine. Donc, du coup, pour quand même dire ce que c'est la polygamie, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, c'est un régime matrimonial. Ah oui. Le mariage. Au sens, oui. Où un individu est lié au même moment. Excusez-moi, je t'en avais. Oui, il y a à plusieurs conjoints. Donc, pour une femme ayant plusieurs hommes, on parle également de polyandrie. Pour une femme ayant plusieurs hommes. Voilà. Pour un homme ayant plusieurs femmes, c'est la polygynie. D'accord. Quand deux ou plusieurs hommes ont une relation sexuelle exclusive avec deux ou plusieurs femmes, on parle de polygynandrie. Oh là. Ah. Et d'accord, c'est toléré. Alors, il faut quand même savoir que la polygamie, elle est plus spécifiquement associée aux hommes. Oui, merde. Voilà. Mais ça change. Voilà, ça va faire réfléchir. Ne vous mariez pas. Non, bah non, mais continuez ça. Continuez de faire cocu vos meufs. C'est madame Cocu. Madame Cocu. Merci Laura, merci Hélène pour. On a quand même une petite pensée pour monsieur Danger quand même. Pour monsieur Danger, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ouais, il est mort, personnellement. Avec toi. La suite de l'émission, on va la commencer directos avec Brian qui va nous parler de l'Assaut Guéguette, une association guisarde et... Guisarde. Et ben on en parle tout de suite sur TSO Radio. A tout de suite, bougez. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.